Très bien. Même ta pompe se fait voir ici. Ouais. S'il n'y a pas de brouillard. Avant, pour mettre l'accès dans ce site ici, donc c'était pas des lianes que nos grands-parents empruntaient pour descendre et remonter. On prend comme ça. On monte et on descend. Ouais. La plupart des majorités togolais, ils ont installé au Togo avant la fin du 15e siècle. Donc il y avait certaines qui sont constituées en royaumes plus ou moins importants, tels que les peuples Zévé, les Koskoli, les Tchokossi. C'est ces peuples qui avaient subi de l'esclavage ou de la traite négrière au 16e ou au 19e siècle. Mais au 18e et 19e siècle, il y avait des guerres entre les ethnies Tchokossi et les Moba, c'est-à-dire à cette période, les plus forts cherchaient les plus faibles pour s'occuper de ces recherches. Mais comme les Tchokossi, eux, ils avaient subi de l'esclavage ou de la traite, ils avaient des moyens, comme des armes, et que nos grands-parents n'avaient plus. Donc quand ils venaient par ici, ils menaçaient nos grands-parents avec ces armes, et qu'ils fuyaient, laissaient toutes ces recherches. Ils ramassaient, c'était au moment de razzia. Attends, je prends. Cette grotte est naturelle. Elle a été découverte par sa soeur, qui s'appelait Signanyir Sukutukulur. Donc c'est lui qui avait découvert la grotte et il a parlé à ses amis qu'il trouvait un endroit qui peut les protéger. Comme il y a des ennemis. Donc s'il y a des ennemis maintenant, il donnait des coups de signal au village. Arrivé au village, c'était par des cornes de bœuf qui sifflaient dedans. Creusez la pieuvre là, vous montez facilement. Ils avaient l'idée de construire des greniers. Tout ce que vous voyez en argile, on appelle ça des greniers. C'est un lieu de stockage. Les greniers sont au nombre de 134. Le premier type est construit à base de l'argile mélangée de paille. Ils mettaient ce qui est décortiqué dedans. Deuxième type de grenier, ils mettaient le céréales avec des épices. Et la troisième, ce grenier rond comme un jar. Mais dedans, vous allez voir qu'ils ont séparé ça. Ils ont divisé en compartiments. Quand ils étaient ici, il y avait une source de l'autre côté qui leur servait de boire et faire la cuisine. Si vous descendez en bas, ce sont des poulaillers. Ouais, je prends des traces d'eau. Tu vois, il y a un peu de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a un lien dans la mou. Venez.